Regardez qui est là, les gars, ce petit blanc chrétien. Est-ce que son cerveau marche bien que le nôtre, man? C'est une aide de sortir de son pays puis de venir dans un pays qui t'aime pas. Je dois commencer mon cours, j'ai pas envie de perdre de temps à cause d'une tache blanche insignifiante. Pourquoi vous me traitez comme ça? Je vous ai rien fait. Car tu es différent, c'est simple, si tu veux t'accepter parmi nous, convertis-toi à notre religion et adopte notre mode de vie. Pourquoi? Non, je suis un humain comme vous tous ici, j'ai le droit à mes croyances et ma religion. Comment oses-tu me parler ainsi? Tu n'es qu'un blanc immigrant. À partir de aujourd'hui, tu vas rester après l'école pour nettoyer les classes pendant un mois. Qu'est-ce qui t'arrive, Maxime? Oh, rien, le prof me juge puni, je m'y attendais. Je peux rester si tu veux. Non, vaut mieux pas, ça va t'attirer des ennuis. Personne ne va te voir de toute façon. Dépêche-toi, Fatima, on s'en va, la cloche a déjà sonné. Désolée, j'ai encore une question à demander au professeur, passe à moi. C'est toi qui vois, à demain. Demain. Tu vas? Je peux rester maintenant? Ouais, c'est vrai, t'as raison, c'est l'un des seuls endroits où on peut rester seul sans que personne le remarque. Alors voilà, on se rencontrera chaque soir? D'accord, je t'apprécie beaucoup et j'espère que tu le sais. Ça sera pas ici. On se rencontrera chaque soir dans l'aile F. Merci de m'avoir aidé hier à étudier pour l'examen. Ouais, ça fait plaisir. Par contre, je pensais jamais comprendre au téléphone, mais tu expliques plutôt bien. Je ne pensais pas réussir sans toi. Oh, ne t'en fais pas. C'est ma matière préférée, je voulais simplement t'aider à réussir. Je voulais te poser une question, ça... Voudrais-tu venir étudier avec moi ce soir pour passer plus de temps ensemble? Ça me dérange pas. Vous avez Fatima, elle a juste des yeux pour Maxime. C'est vrai, ils sont dégueulasses. Je suis sûre qu'elle fait exprès et que c'est juste de la comédie. En réalité, Fatima veut rien de Maxime car il est misérable. Salut, maman! Hey, bonsoir, mon chéri! Viens, tu peux bientôt servir. Comment a été ta journée? Oh, comme d'habitude, insultes et moqueries. J'ai entendu à la radio qu'il y a une manifestation à ton école. Tu t'es pas blessé? Non, je vais même très bien. Ah oui? Comment ça? Ben, en fait, j'ai rencontré quelqu'un. Une personne comme toi et moi ou un de ces sales snobs, là? Mais ils sont pas tous comme ça, maman. Maxime, est-ce que tu t'entends parler? C'est juste que j'ai rencontré une fille à l'école puis elle m'a aidé pour mes travaux. Maxime! Ces personnes sont pas tous comme tu penses, là. Ils sont hypocrites, ils pensent juste à eux. Attends que je parle à ton père, tu vas voir si tu vas peut-être changer d'avis. Tu comprends vraiment rien. Maxime! Bon après-midi, mère, je suis rentrée. Bonsoir, Fatima, comment vas-tu, chérie? D'habitude, tu rentres plus tôt. Je vais bien. Je suis restée aider un élève à nettoyer la classe. Ah oui? Pourquoi as-tu fait ça? Bien, parce qu'il a une perturbation et c'est injuste. Alors, j'ai voulu l'aider. Tu ne m'as jamais parlé de lui. Ce n'est pas nécessaire. Ça veut dire que c'est un blanc, sinon tu me l'aurais dit. Mais mère, tout le monde l'insulte, c'est injuste! Fatima, je veux pas que tu traînes avec ces gens. Ils sont malpropres et méchants. Mais pourquoi es-tu aussi fermée? Ah! Attends que j'appelle ton père, va dans ta chambre! Wesh, tu crois où là? Tu penses que tu peux être avec ma soeur comme ça? On a rien fait de mal! Hey! Je connais tes intentions, ok? Je sais que tu la trouves bio et que tu veux la guette! T'as pas besoin de te fâcher! On a rien fait de mal! J'ai pas besoin de me fâcher! On m'a simplement aidé, c'est tout! Hey! Je te vois encore avec elle, je te casse la gueule, compris? Compris. J'espère! Je suis vraiment tanné de votre comportement envers moi, ok? Je sais que je suis né avec la même couleur de peau que vous, mais sachez que moi aussi j'ai des sentiments, ok? J'ai des sentiments, j'ai mes pensées à moi, je suis comme vous. S'il vous plaît, respectez ma couleur de peau, mes opinions de pensée et ma relation amoureuse. C'est tout ce que je vous demande.
Ouais, elle était un peu trop basse. Ok, on peut recadrer. Tu adoptes notre mode de vie. Claudia. Oui. Pourquoi tu veux que ça coupe, là? Parce que j'ai que ça coupe. Pourquoi ça coupe? Oui, oui. Parce que moi, Rémi, on passe. Ça me dérange pas, Maxime. Personne n'est là, on veut pas se voir. Recommence. Mais ça sera pas ici. On se rencontrera chaque soir dans l'LF. Ça sera pas ici. Maria, il faut qu'elle se déplace. Ok. 1, 2, 3, action! Ouais? Non, ouais. Ouais! Ouais, je me suis cassé une jambe, là! Alors, claquette! Ah non! Salut, je m'excuse. Pas grave, continue, Maxime, reprends. Non, va-t'en pas! Alexandra, 2. Action! Là, obligé, je voulais l'aider à nettoyer la classe. Et méchant! Mais, pourquoi êtes-vous aussi fermé? Ah! Va dans ta chambre! Tu sais, j'ai oublié d'attendre l'action. Fatima! Je t'ai dit, je veux pas que tu traînes avec ces gens. Ils sont sales, malpropres, méchants. Mais, pourquoi êtes-vous aussi fermé? Mais là, on se lève, non? Fatima! Je t'ai dit, je veux pas que tu traînes avec ces gens. Ils sont... Oh! Je suis vraiment tanné de votre comportement envers moi, OK? Je sais que je suis pas né de la même couleur de peau. Ça se dit pas. Je suis un blanc. Tout ce que je vous demande, c'est de me laisser être comme vous et avoir des opinions. La dernière fois, ça. S'il vous plaît, je vous demande juste de respecter. C'est bon. Mais qu'est-ce. C'est ta main. Quoi? 2, 3. T'es capable. Allez. Non, mais... Je suis avec ma soeur comme ça? Oh, yo! Hey! Je suis avec des attentions, ok? Tu sais que tu la trouves bio, tu veux la gueule? T'as pas besoin de te fâcher! On arrive à te faire. On m'a simplement aidé, c'est tout! Hey! Yo! Je te vois encore, mais qu'est-ce que casse la gueule? Compris? J'espère. Yo! Regarde!